Salut à tous et à toutes, c'est Blaine, on se retrouve pour notre première vidéo sur YouTube. Et je vais vous présenter ma collection de mangas comme vous êtes en train de le voir. Donc je commence parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Donc on commence, j'ai lu les 22 premiers tomes de Kuroko no Basket. Donc c'est un manga fait, et là le tome 23, je l'ai pas encore lu. C'est un manga fait par Tadatoshi Fujimaki, édité chez Kaze. Le manga fini au Japon avec déjà 30 tomes et en cours en France avec déjà 23 tomes. J'explique pas les tomes, hein. Enfin les mangas, donc j'essaie d'aller vite. Bah, quand j'aurai plus de temps, j'expliquerai les mangas moins connus comme Dilemma, Slam Dunk, Star Fox The End, King's Game et compagnie. Ensuite on passe à Fairy Tail, donc j'ai lu les 11 premiers, donc j'ai le 12 que j'ai pas encore lu en français bien évidemment, et j'ai le 12 en allemand, c'est pour ça que je dis en français. C'est aussi un shonen comme Kuroko no Basket, donc c'est fait par Yurmashima, édité chez Pika. Le manga toujours en cours au Japon avec déjà 51 tomes et en cours en France avec déjà 50 tomes en Japon et en France 46. Ouf, voilà. Ensuite on passe à Toriko, donc c'est un manga fait par Mitsushi Shimabukuro, édité chez Kaze. Donc le manga c'est un shonen, manga toujours en cours au Japon et j'ai les deux premiers, donc j'ai le deuxième qui est là, je l'ai pas encore lu. Le manga est toujours en cours au Japon avec déjà 34 tomes et en cours en France avec 26 tomes. Ensuite Shingeki no Kyojin au Japon et ou l'attaque des titans. J'ai 5 premiers, j'ai lu les 5 premiers, j'ai aussi le 6ème mais que j'ai pas encore lu. Voilà. C'est un manga fait par Hajime Isayama, édité chez Pika. Donc c'est un shonen, pas comme Pika ils ont mis que c'est un seinen, c'est un shonen. Voilà. Très très bon. Tout comme tous mes mangas sont très très bons. Hein. Je les adore, je les conseille à tout le monde. Après, si on vous envie, hein. Je vous force pas à les acheter. Ensuite, donc c'est toujours en cours au Japon avec déjà 17 tomes et en cours en France avec déjà 16 tomes. Ensuite, on passe à Dilemma, donc c'est fait par Scénario Hajime et dessin Tatsuya Toji, édité chez Komiku. C'est un shonen, manga toujours terminant au Japon avec 8 tomes et toujours en cours en France avec déjà 2 tomes. Ensuite Fullmetal Alchemist, donc c'est fait par Hiromu Arakawa, édité chez Kurokawa. Donc le manga est fini en France et au Japon avec déjà 27 tomes. Avec 27 tomes. Je veux dire, donc j'ai les 3 premiers, le 4ème je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà. On passe à l'étage en dessous. Donc là on voit pas très bien. Donc j'ai les 8 premiers tomes de Hunter x Hunter, donc c'est fait par Yoshihiro Togashi, édité chez Kana, donc c'est un shonen. Le manga toujours en cours au Japon avec déjà 32 tomes et en France pareil. Donc l'auteur n'a pas fait de volume depuis le mois de décembre 2013. Donc ça fait limite 2 ans, quoi, bientôt 2 ans. Donc je me demande s'il est vraiment malade. Ensuite on passe, donc on voit pas bien. Seraph of the End, donc j'ai eu les deux premiers, donc le troisième je l'ai pas encore lu. C'est un manga fait par scénario Takaya Kagami, le dessin on voit pas bien Yamato Yamamoto et le storyboard Desuke Furuya, édité chez Kana. Donc c'est un shonen, le manga toujours en cours au Japon avec déjà 9 tomes et encore en France avec déjà 3 tomes. Ensuite on passe à Slam Dunk, donc j'ai les deux premiers, donc c'est un manga fait par Takahiko Inoue, édité chez Kana, donc c'est un shonen, plutôt de sport, comme Kuroko no Basket. Donc le manga est fini en France et au Japon avec déjà 31 tomes. Oui, si je dis pas de conneries, oui, 31 tomes. Ensuite, on passe à Naruto, donc j'ai les 68 premiers tomes, plus le Naruto Shippuden, le film, La Flamme de la Volonté, et les Rock Lee, le tome 1 et 6. Donc Rock Lee c'est fait par Kenji Tara, édité chez Kaze. Hein. Donc il n'y a que 7 tomes. C'est nul. Franchement je conseille pas. Sauf ça, il n'y a que ça que je conseille pas. C'est pourri comme spin-off. C'est juste drôle à un moment. Et puis, ouais. Donc Naruto, donc c'est fait par Masashi Kishimoto, édité chez Kana. Donc le manga est fini au Japon avec déjà 72 tomes. Et en cours en France avec déjà 68 tomes. Donc c'est le dernier. Ensuite, Assassination Classroom, donc j'ai les 10 premiers tomes. C'est fait par Yusei Matsui, édité chez Kana. Pareil, c'est un shonen. Le manga est toujours en cours au Japon avec déjà 17 tomes et en cours en France. Avec 16 tomes, pardon, au Japon.
Et en France, il y a déjà 10 tomes. Donc c'est le dernier sorti. D'ailleurs, c'est la plus belle couverture de tous les tomes d'Assassination Classroom pour le moment. Ensuite, on passe en dessous avec King's Game. Donc j'ai lu les deux premiers. Pareil, le troisième, je ne l'ai pas encore lu. Donc c'est fait par scénario Nobuaki. Donc j'ai essayé d'entrer. Nobuaki Kanazawa. Et le dessin Itori Renda et Teishi Kiyun. Et c'est un seinen. Le manga est fini en France et au Japon avec déjà 5 tomes. Donc après, il y a King's Game Extreme. Ils ont changé le dessinateur, donc je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Pareil pour Origin. Donc c'est fini en 5 tomes. Extreme. Et c'est en cours avec King's Game Origin. C'est toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes. 6 tomes, si je dis. Non, 5 tomes. Je sais plus. Et en France avec déjà 4 tomes. Ensuite, on passe à One Piece. Donc j'ai 51, j'ai eu 51 premiers tomes. J'ai le tome 52 que j'ai pas encore lu. Donc c'est, j'ai aussi le Blue Deep. Donc c'est pas mal pour prendre des infos sur One Piece. Tous les persos. Donc 500 quiz book. Et le tome 48 de One Piece en allemand. J'ai oublié de dire que j'avais le tome 67 de Naruto en allemand aussi. Donc c'est fait par Eiichiro Oda et Teishi Kleina. Donc ça c'est trop connu comme Naruto, Bleach et One Piece. Et Fairy Tail. Aussi One Piece et Fairy Tail. Donc voilà. Donc le manga est toujours en cours au Japon avec déjà 79 tomes et en cours en France avec déjà 76 tomes. Donc maintenant on passe aux figurines. Donc j'ai pas fini encore. Donc là j'ai la figurine de Shanks, j'ai la figurine de Brook, figurine de Franky Usopp, Zoro. Chopper, Baggy, Luffy, Sanji, Ace et Nami. Voilà. Ensuite, on passe au dernier étage. Donc, j'ai eu les 17 premiers tomes de Bleach. J'ai aussi le 18e tome. Donc, c'est un manga fait partie de Kubo. Pareil que c'est un shonen, comme d'hab. Bon, j'ai pu le dire à force. C'est le dernier manga, mais la prochaine fois, je dirai plus. Donc, c'est un shonen édité chez Glénat. Donc, le manga est toujours en cours au Japon avec déjà 70 tomes. Et en cours en France avec déjà 65 tomes. Donc voilà, donc j'ai fini de présenter ma collègue. Ah, il y a aussi les deux extraits que j'ai pas montré. Donc l'extrait de AQ, les As du volet édité chez Kazé. Et donc c'est un shonen. Et King's Game. Et Darwin's Game, pardon, de chez Kiyun. Et c'est un seinen. Maintenant, pour finir, je présente les tomes que je dois lire absolument et enfin, les seuls que je dois lire absolument et que je suis. Et voilà, qui dit voilà. Et que j'ai pas lu. Donc, Kurokuma Basket, tome 23, Didema, tome 2, Toriko, tome 2, Bleach, tome 18, Fairy Tail, tome 12, One Piece, tome 52. Ah oui, j'ai oublié de dire, Solitaire, tome 1, donc c'est fait par Tsushokubo Edité chez Kurokawa. Donc, le manga fini en France et au Japon avec déjà 27 tomes. Donc, je vais voir ce que vaut le manga. Hein. Le tome 1, tome 3 de King's Game, tome 3 de Seraph of the End, tome 4 de Full Metal Alchemist et tome 6 de Shingeki no Kyojin. Donc voilà, donc j'ai présenté ma collection de manga, donc j'espère que vous êtes indulgents avec moi, hein. Je suis nouveau, voilà, je suis débutant, donc soyez indulgents avec moi et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc voilà, ma chaîne 100% manga, je sais pas, j'ai réfléchi à des projets. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé à la vidéo, likez, partagez et commentez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !